Voilà, voilà, voilà comment, on commence une vidéo. Voilà, merci monsieur. Une merci. Bouteille. Merci. Deux merci. Bouteilles. Bon, on veut voir ce qui se passe là-dedans. Tartelette, un petit peu. Voilà, parce qu'il sait que j'aime les tartes. Oh là là, oh là là. Bon les frérots, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. On a déjeuné tranquillement. On est à Maxéville, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on va apprendre les 8 lignes à un débutant. Donc cette fois-ci, c'est encore un plus jeune que la dernière fois. Ensuite, on repassera, je pense, par quelqu'un d'un peu plus âgé, entre guillemets, pour pouvoir varier un maximum. La famille, je sais que vous kiffez grave la série, donc un maximum de pouces bleus. Comme ça, j'en sélectionne un très rapidement et je fais ça, tu vois. Plus il y a de pouces bleus, plus ça me matrix, ça va faire des épisodes, tu vois, plus régulièrement. Et plus je choisis de personne et plus je vous fais croquer et plus ça me fait plaisir. Important la famille, très important. Venez me suivre sur mon Instagram, c'est là-haut que je sélectionne les personnes. La personne qui est dans la vidéo, là, je l'ai sélectionnée sur Instagram. Donc voilà, ça s'affiche à l'écran. Tu viens sur mon Instagram. Tu me follow et après tu m'envoies un message. Et si tu es du secteur nancéen pour le moment, après on ira plus loin. On te choisit et on t'entraîne pour faire des wheelings. Tu nous dis la figure que tu vas apprendre ou autre. Voilà. Like la vidéo, ça aussi ça me permet de voir si tu as kiffé le concept. Lâche ton meilleur commentaire, on est ensemble. Prochaine vidéo, je vous balance un concours. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathias. Mathias, qui a 11 ans. 11 ans, Mathias, il a 11 ans. C'est... Lui, c'est le futur, c'est va arriver. C'est... Bref. Aujourd'hui, on a ramené, il a ramené son vélo, on va lui apprendre les wheelings. Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé toi? Parce que là, je crois que c'est du débutant débutant. Un mois. Un mois que tu as commencé. Voilà, donc on peut déjà avoir le casque, ce qui est important. Voilà. Quand vous êtes petit, mettez le casque. Même quand vous êtes grand, mettez le casque, c'est très dangereux, ça peut arriver très vite. Mets-toi voir sur le vélo. Vas-y, prends, mets-toi sur le vélo. On va regarder tout de suite là. On ne peut pas l'incliner, mais elle est que droite. On va essayer de déjà tout là. Il a des clalènes. On va essayer de la monter déjà, parce qu'il faut la monter un tout petit peu je pense, jusqu'à la hauteur du guidon, tu vois, toujours ouais. Pour le début. Hauteur du guidon, tac tac, pas de la potence plus mais. Et lui une petite roue et après je te donnerai des conseils. Ton frein ça va? Ouais ça va, il va ressembler. Ok, allez, déjà baisse un peu les vitesses, là étant en deux déjà, ouais bah baisse le plateau c'est plus trop. Tu vois, tu peux la monter. Vas-y tu fais comme tu le sens là. En gros t'es pas bien parti mais t'es pas parti, t'es trop en vrac tu vois. Le seul truc qu'il faut que tu fasses, t'as vu, là t'as déclenché ton wheeling et t'es allé en arrière. Ouais, parce que t'as pas eu le réflexe du frein tu vois. Et le frein c'est ça qui va te permettre d'avoir un équilibre en wheeling. Donc là ce que tu vas commencer à faire basique, tu vas lever ouais. Et tu vas mettre un coup de frein. Okay. Tu vois, tu lèves, tu mets un coup de frein, tu lèves, tu mets un coup de frein, tu fais ça pendant 10-15 minutes. Okay. Et après après on passera à la seconde étape. Ok. Vas-y, on te laisse là. Ok. Tu lèves, voilà, encore, t'arrêtes pas. Tu freins, voilà, continue. Voilà, ça va rentrer. Hein. Plus tu mets bien ton wheeling dans le lit, et là tu marches frein. C'est toi qui dois le mettre le coup de frein, tu dois pas attendre qu'il vienne tout seul, tu vois. D'accord. Allez, coup de frein, voilà, encore. Coup de frein, tu lèves, coup de frein. Ça, faut pas s'arrêter. Hein. Mais vraiment, tu tires juste sur le guidon. Ouais. Toi, tu te dis, je mets le coup de pédale, tu gardes le même automatisme, tu sais, quand tu es allé en arrière. Tu mets ton coup de pédale comme si tu levais, ouais. Et après, tu mets ton coup de frein. C'est en fait, tu penses d'abord à ta roue avant ton coup de frein, tu vois. Comment ça fonctionne? Peux-tu nous donner quelques conseils? Au niveau des guidons. Ouais. Évidemment. Quand tu lèves en I, en règle générale, soit tu t'envoles dans l'espace, soit tu arrives à gérer le wheeling, tu arrives à le doser. Là, en ce moment, il arrive à le doser, mais tranquille. Il est proche de l'espace. Proche de l'espace, quand même. Voilà. Allez, tu. Ah là, t'es allé trop sur le côté. Ouais. C'est normal, c'est normal. Juste là, comme tu dis, la bonne impulsion dès le début. Et après, tu n'oublies pas ton coup de frein. Vas-y, l'impulsion. Là, voilà, ça commence à être mieux. Attends. Plus ton wheeling que ton frein. Tu dis, vas-y, je me concentre sur mon wheeling. Je mets tout sur la roue arrière, tu vois. Là encore, t'as pas lancé l'incliné. Hein. Si on te l'incline, ça sera encore plus simple. Mais on va te laisser déjà comme ça, parce que là, t'as l'air d'être pas mal. Vas-y. Voilà. C'était beau ça. T'as vu? C'est mieux que moi. T'as vu? Vas-y, fais voir un tour de vélo comme ça, je te dis. Vas-y, regarde les vitesses, descends un peu. Là, c'est la gâchette. C'est ici, attends, reste-toi. Voilà. Vas-y, tu fais la bonne vitesse
Et après, tu mettras des petits coups de frein parce que je vais voir qu'il est sec à mort celui-là. C'est vrai ? Ouais. Vas-y. Voilà. Là, dès que t'as ta bonne vitesse. Ouais. T'as ta bonne vitesse, c'est bon ? Ouais. Vas-y, tu vas essayer de déclencher la même chose que tu faisais sur ton vélo, mais avec le vélo là. Ça va pas de vite, hein. Voilà. N'oublie jamais le coup de cuisse, c'est trop important. Déjà, descends un peu la vitesse. De un cran. One cran. Un cran, ouais. Allez, tu. Voilà, voilà. Bah voilà. Il suffit juste quoi? Le frein là. Juste un tout petit coup de, un petit coup de frein au moment où tu étais à monter. Continue. Continue. Ça va rentrer. Au coup de pied, il a tout ça. Dès que tu as mis ton coup de pied après, un coup de frein et c'est bon. Allez. Ça va rentrer, allez, continue mon pote. Allez, pousse. Ça va rentrer, allez, allez, on croit là. Non, moi je sais que tu vas le faire. Allez, allez mon pote. Allez. Ça arrive là, ça commence à rentrer frérot. Voilà. Voilà, voilà, putain. C'est comme ça mon pote. C'était très beau. Donc tout dans le coup de cul gros. Toi quand tu oublies le coup de cul, ça va pas. C'est bien, c'est la gâchette là. Ouais, c'est pas mal. Il était parti. Allez frérot, on veut un beau là. On veut un beau win. Ah, allez. Un beau win. Meilleur que Félix. Allez, allez, allez. Voilà. Voilà. Il suffit de le motiver, tu vois. T'as vu comment? Arrête. Viens. On veut voir le même là. C'était beau ça. Je crois que le vélo ça fait tout les gars. Voilà, incorporé dans le building. C'est magnifique ça. Tout à fait parce que c'était beau. Encore. C'est mieux avec celui-là ou pas? Trop léger. Trop lourd, trop léger. Pareil, tu te tues toujours. Toujours, toujours, toujours. Allez. Tu sais que moi je trouve que tu réussis mieux là. Je trouve que t'es meilleur là. Ouais. Allez, allez. Sur le côté un peu. Ah, ce qui est bien avec les pneus, c'est que c'est. Tu vas tomber sur le côté. Ouais, ça va être. Tu vois pas. Ouais, ouais. Ouais. Il y a un petit truc qui monte, c'est un petit truc à la fin. Allez. Là. Ah, c'est bien. C'est bien, gros. C'est comme ça que tu vas apprendre le frein. Plus tu vas retomber en arrière, plus tu vas. Tu peux freiner avant ? Non, non. Thank you.
Wow, c'était pas mal ça. Là tu es parti un peu loin, mais c'est normal, c'est ton coup de frein, tu vois. Je suis parti comme ça. Ok, surtout, on s'est gâté. Y'a rien, on est là pour apprendre. Allez, mon pote. Allez, Greg. Allez, on joue un ball. Allez, mon pote. C'est que là, tu commences à avoir la bonne technique. Hein. T'as la bonne technique, je vais rentrer. Vas-y, hop, tu lances. Docteur Raoult, c'est perplexe. Allez, allez, allez. Allez, on va. Ce qu'il faut pour faire un bon vidéo. On va débriefer tout ça, frérot. Là, bien joué à toi. Bien joué, bien joué, bien. Tu dois avoir chaud. Je tiens à préciser que toute la vidéo a été faite avec la selle un peu en avion. Est-ce que c'est mieux avec la selle à la hauteur là? Donc on va tester à la hauteur là. Ce que tu vas faire, c'est quand tu vas être chez toi, au bout de 3 jours ou 2 jours d'entraînement, tu vas demander à ton père qu'il te l'incline. Moi, tu vas voir que ça va aller tout seul. En tout cas, bravo à toi, GG, parce qu'on a vu une vraie différence, tu vois. Toi, t'en penses quoi? T'es fatigué? Ouais. On a vu une vraie différence entre le début et la fin. Mais c'est pas assez encore, mais après là on pouvait pas faire mieux, tu vois, en une heure et demie. Donc j'ai pas trop envie de te fatiguer pour un samedi, tu vois, faut profiter du week-end, c'est important. Sacoche DRZ disponible sur le shop, si jamais il y en a qui veulent en pécho, c'est encore disponible. Et voilà, en espérant que la vidéo elle vous ait plu. Est-ce que t'as une petite dédicace? Il voulait passer une dédicace à ses cousins, je crois, dis-moi tout. Bah, grosse dédicace à Zadig et Théo. Voilà, grosse dédicace à vous les gars. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Maximum de likes, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important. On est ensemble, la famille, c'était DRZ. Ciao, ciao.